parti. Ça va? Allez, attention au trou. Puis l'aération jusqu'à l'extérieur. Plaine de ventilation. Un petit lit en fer 2. Sur trou. On a tout fait là. Hein? Oui. Ouais. Attention au trou. Parti. Rail pour wagonner. Attention au trou. Attention. WC avec la fosse et les fameuses pompes en bas haut. Ce qu'il faut pas, c'est tomber là-dedans. Il doit y avoir surtout des restes. Lavabo privatif. Pour les pudiques. Réservoir d'eau. Avec pompe. Support de pompe à eau. Citerne de réserve. Avec. Ici, on revient à l'entrée. L'entrée qui se trouve là-bas. Ici. Première chambrée. Ça n'a pas été manœuvré. Ouais. Oh putain. Il y avait le chauffage central ici, hein, oui. Dans les chambres. Hein. Alors ici, il faut imaginer les gros radiateurs, à mon avis. Deuxième chambrée. Un peu moins bon état. Un peu plus d'humidité.
Donc le plafond commence à tomber. Ah, tu vois, on creusait, hein. Et après, on faisait juste un béton de propreté au-dessus. On profitait de l'épaisseur des murs de la montagne. Il n'y a pas besoin de faire des murs de 2 mètres d'épais ici. Attention au trou. Alors ici, ça mène dans une galerie qui n'a jamais été achevée. Alors on retrouve encore au sol tous les bois de soutènement. Voilà. Ça a été creusé. Et tous les bois sont encore là avec les ferraillages d'hiver. Voilà les voûtes avec les madriers. Vous avez ces salles qui sont gigantesques. Ici, certainement encore une descente en cours de construction. Ça y est, mes pieds sont mouillés. Encore tous les voûtins. Là, on va ressortir de cette partie en construction inachevée pour repartir dans une galerie principale. Encore une chambrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 9, 27. 27, bonhomme. Encore une autre chambrée. À 27 par chambre, on devait se tenir chaud. Un polo. Et là, on arrive, voilà. 27 bonhommes fois 2, la nuit, faut que ça pisse. On continue. Toujours ces petits rails à wagonner là au sol. Et alors ces couloirs interminables.
Quand une chambre est plus petite, quatorze lits. Attention au trou. Là, on va arriver première tourelle. Ça va, Poulou? Oui. Bon, on va commencer sur ma gauche, petite chambrée avec un petit chauffage électrique à bain d'huile. Voilà, absolument d'époque. Armoire électrique. Petit chauffage électrique. On va arriver ici à la première tourelle extérieure qui est munie apparemment d'un périscope. Ça chauffe un peu. Toujours le même système, fonctionnement par manivelle. Voilà. La fameuse cloche ici. Avec qu'on va aller voir après, une petite cloche de prise d'air. Hop, on redescend. Prise de 120 volts pour charger les portables. Avec ce trou et périscope. Partie droite. Je sais pas ce que c'était. Chauffage électrique. Et c'est même tourelle, c'est la deuxième tourelle qu'on a pu voir. La tourelle précédente vue de l'extérieur. Celle-ci sans périscope. À chaîne pour relever la plateforme. On semble que démultiplier comme ça. Pompe à eau sans doute.
complètement graissé. Réservoir à eau. Un petit chauffage électrique. Il est fonctionnant, 220 volts. Câble gainé, où il est. Voilà. Et ici, aération avec vanne et guillotine. À manuel. Tu descends en premier ou moi? Non, vas-y. Meurtrière. Épaisseur de la porte 25 mm. Pour des portes intérieures, c'est pas mal quand même, quoi. Attention au trou. Avec le gant du dernier électricien qui s'est servi de ça. Voilà, alors ici on a une cuve en jugé par la couleur des tubes, ce serait de l'eau froide sans doute, une réserve de quelques milliers de litres. On continue, on a un escalier qui monte là, celui-là on va le garder pour la fin. Parce que c'est quand même le clou du spectacle ici. Ici, on a le monte-charge qui est complètement rempli, inondé, avec une génératrice, moteur électrique, qui servait certainement à remonter l'ascenseur à l'aide des poulies et des gros câbles que vous voyez là-haut. Voilà. Alors ici, on était sur du lourd. On a le petit train ici, c'était certainement pour remonter les obus à la salle de tir qui se trouve au-dessus de nous. Alors ici on a le mécanisme de l'ascenseur. Alors ce moteur entraînait cette poulie, ces câbles par réduction et faisait monter et descendre la cage d'ascenseur. Pour essayer de vous montrer ça, voilà, la cage d'ascenseur, la charge plus exactement, avec l'armoire électrique d'alimentation de ce monte-charge. Voilà, on continue là comme ça, et ici vous avez un truc électrique, je ne sais pas ce que c'est. Ici, cette très grande salle, à mon avis, devait servir de soute à munitions. Pour diverses raisons, elle est inclinée. Il y a des rigoles de chaque côté. Il n'y a aucune trace d'humidité. Elle est assez sèche. Je pense qu'on devait entreposer ici les munitions, vu qu'on est vraiment tout proche de la cage du monte-charge. On va aller voir après les obusiers dans les tourelles. Ici, on a encore diverses pièces. Toujours diverses salles. C'est très profond, on est vraiment ici au cœur de la montagne. J'ai des raisons de croire qu'ici, on a entreposé les munitions. Voilà.
petite pièce, entrepôt. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter à l'étage. Il y a pas mal d'escaliers. Et on va arriver dans la salle de tir. Alors la salle de tir, elle est pas mal du tout. On a ici le monte-charge avec la salle moteur à côté et on va entamer la montée ici. Donc vous avez ici encore pas mal de tuyauterie. La ventilation qui monte jusque là-haut. Avec encore une vanne à guillotine là-haut. On va tout en haut là. Voilà, on va arriver ici dans la tourelle de tir, toilette, on peut encore monter. Hein. Ici on a le fameux monte-charge qu'on a vu en bas qui arrive jusqu'ici. On va aller faire ça et après on a encore un étage là-haut. Voilà encore une pièce avec un mur certainement qui n'est plus très proche de l'extérieur. Une citerne à eau. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme un réservoir en trémie cylindrique. Je ne sais pas ce qu'on pouvait récupérer ici. On a ici une salle technique. Une citerne. Voilà. Et l'évacuation extérieure. Mais on ira la voir après. La sortie de secours extérieur qui était ici. Et on arrive dans le glacis du bloc. On va d'abord aller voir la salle de tir avant de sortir sur le toit du bunker. Alors, la salle de tir, il faut reprendre l'escalier et monter encore un peu. Alors, l'escalier, je cherche après, c'est tellement grand. Oui, c'est ici. Voilà. Donc on continue notre ascension. Voilà. Donc, on va pouvoir... Alors ici, hop, je sais plus ce qu'il y a là-haut. De ventilation. Intéressant. Voilà. Là, on est vraiment proche de la sortie. On a un système de réglage avec les clapets. Beaucoup d'air. Pas beaucoup d'air. Voilà, manivelle. Urbaine. Il faut faire attention en descendant. Hop. Alors on descend. Voilà, alors tu nous fais la présentation de la salle de tir. Alors ici on a un premier obusier. Alors c'est assez impressionnant parce que il est encore là. Il lui manque sa culasse. Et ici on a les réserves à obus. Voilà. Derrière, là, on va monter là. Alors ici on est en
ce serait un 75 qui serait daté de 1932. Je sais pas, je m'y connais pas assez. Enfin, voilà. On voit l'extérieur. Les rayures du canon. Et il manque la fameuse culasse, quoi. Voilà. Le contrepoids ici, pour monter ou descendre l'inclinaison du fût. Et ici, je pense que c'était les amortisseurs de recul. Tout encore graissé. Voilà. Hein ? On va aller voir le suivant. Alors, super porte. Ça doit faire 1500 kg, ça au moins, 2000. Voilà la première salle. Deuxième salle. Pareil. Même obusier. De 75, 1932, peut-être toujours, oui. 32, 33. Avec le canon qui est encore graissé, mais alors super graissé. Voilà. Je suis sûr que ça peut repartir, ça. Une culasse, un bon nettoyage, et c'est reparti. Ici, petite pièce. Et le troisième obusier ici. Voilà. Ventilation. Ici, vous avez une citerne. Et là, vous avez une vue extérieure. Là, il manque la coulisse. Le troisième obusier, bah, lui, par contre, qui a disparu. Il a été démonté. Il est plus là. Peut-être un 75 aussi, peut-être, je ne sais pas. Si on continue ici, on a encore une meurtrière. Et maintenant, on va repartir en dessous. On va prendre l'issue de secours qu'on a vue tout à l'heure. Pour monter sur le toit de l'ouvrage. Donc il va falloir redescendre tous ces escaliers, aller à l'étage inférieur. Ici vous avez une belle vue sur la salle de tir qu'on vient de voir. Le monte-charge, on redescend quelques marches, on ferme derrière. Tu restes là, Polo? Hein? Voilà. Et là, ah là je me trompe, c'est les toilettes. On va aller à la sortie de secours. Qui se trouve là-bas. Voilà. Donc on revient là où on était. Et là on va grimper vers la sortie de l'ouvrage. Voilà. Alors c'est pareil, hein. Bonne porte blindée de... On va éteindre la lampe. Bonne porte blindée de 25 mm d'épaisseur. Doublée d'une grille en barreau de... En barreau de 30. C'est bizarre ici, les barreaux, ils ont été coupés, puis ressoudés à l'arc. C'est étonnant. Étonnant. On va arriver ici dans le glacis. Voilà. Ça va? On va éteindre nos lampes. Tu as éteint? Bon, alors je vais monter.
Attends, donne-moi le poignet. Voilà. Alors nous voilà sur le toit de l'ouvrage. La meurtrière. Le premier obusier manquant que l'on avait à l'intérieur. Et les deux obusiers qui sont toujours présents ici. Voilà. Alors on va monter dessus. On va pouvoir aller voir le treuil qui a servi à la fabrication sans doute de l'ensemble. Parce que les matériaux, il a fallu les monter. Et on va aller voir après la piscine là-bas. Enfin la piscine, le réservoir d'eau. Peut-être pour alimenter les... sans doute même, pour alimenter les troupes en sous-sol. Là, on va grimper. Hop. Voilà. Le treuil. Avec peut-être ce qu'il reste du transformateur avec ses divers refroidisseurs ici. Hein, on voit là comme ça. Ici les mécanismes d'entraînement. Et on peut voir ici des traces de balles. Voilà. Alors quand on voit l'inclinaison, quand on voit l'inclinaison là comme ça, le métal plié dans ce sens, ainsi qu'un impact ici, là, comme ça, et là, comme ça, on peut imaginer que ça venait de la vallée, là. Et aussi, ici, dans ce sens. Donc voilà, je ne sais pas. À tout cartonner là-bas, quoi. On retrouve ici les trois tourelles dans lesquelles on est monté. Avec une petite cloche blindée de ventilation. Deux tourelles, enfin deux tourelles, deux cloches de ventilation sur le dessus. Sur la gauche, la route qui descend dans la vallée de la Tinée vers Nice, direction Nice. Et sur la droite, ce qu'on va voir, la route qui descend vers Jossier. Voilà, celle-ci. Descend vers Jossier. Voilà. Là, ça descend vers Jossier. Voilà. Il y a encore deux ou trois casemates là-bas. J'ai cru qu'elles étaient reliées à la bonnette, mais... Ou elles sont reliées et j'ai pas trouvé, ou alors elles n'y sont pas, ce que je pense, parce que j'ai beau chercher, je ne trouve pas de galerie d'accès pour aller là-bas. Donc je pense que l'ouvrage là-bas fait partie de 3 ou 4 blocs, il y en a encore un là-bas derrière, mais c'est encore un ouvrage qui est pour lequel les bunkers sont reliés entre eux, mais n'ont pas de liaison directe souterraine avec la bonnette. On va aller voir le réservoir d'eau.
Alors je pense que bon, à l'hiver, il y avait assez d'eau dans l'ouvrage pour alimenter les. Parce qu'il y avait près de 200 bonhommes, je crois. 200 soldats, sans compter les officiers, qui étaient ici en cantonnement. Et là, ici, à l'hiver, on devait récupérer des quantités énormes de neige. Ça, voilà, le réservoir, qui fait à peu près 15 mètres sur 5, sur 1,30 m, 1,40 m de profondeur. On devait récupérer toutes les neiges de l'hiver. Et quand ça fondait, ça faisait pas mal d'eau pour l'été. C'était peut-être ça, en fait. Et là, là-haut, la bonnette. Avec la route qui fait le tour de la cime, et vous avez un chemin à Baudet pour monter jusqu'à la table panoramique qui se trouve tout en haut. Voilà, je vais faire un 360 degrés parce que le paysage est magnifique. Et puis nous, on va repartir par l'issue de secours pour redescendre jusqu'à la rentrée principale. Je filmerai pas au retour parce que bon, j'ai filmé absolument tout à l'aller, donc ça n'a pas de grande utilité. Et voilà, j'espère que la visite vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour peut-être de nouvelles aventures.